Quelle joie de savoir mon metteur en scène préféré si près de moi. On dîne ensemble? Oh, je suis trop crevé, non. Je vais aller direct au lit. Comment ça va? Bien. Je fais ça en attendant de vivre de mon métier d'actrice. Et ça a quoi d'excitant, ce job? Ça en excite beaucoup. Mais c'est dégoûtant. Si tu me promets de ne plus jamais faire ça, je te donne 30 000 dollars. Et là, j'étais sur le cul. Vous voyez ce que je veux dire? On ne plaisante pas en thérapie. J'ai décroché une audition pour toi. C'est génial. Et c'est quoi le personnage? C'est une prostituée. Une prostituée? Oui. Ça, si je m'y attendais, c'est plutôt marrant. Et voici Isabella Patterson. Elle convient pas. Moi, je trouve que le rôle lui va très bien. Dis-moi pourquoi tu ne l'aimes pas. J'ai une énorme pression sur les épaules. C'est ma méthode. Vous aimez manger italien? Bien, regardez qui est là. Vous vous connaissez? Non, pas vraiment. Tout le monde semble confus ce soir. Ça doit être le temps. La confusion règne. Qui ça? Qui est-ce? J'ai eu le rôle! Mais c'est génial, je suis très heureux pour toi. Il est heureux maintenant? Tu es toujours déprimé avec moi, pourquoi donc? Je peux pas parler là, rappelle-moi plus tard. Il a changé ma vie. Oh mon Dieu, non! Il a changé ma vie! Tu as changé ma vie! Espèce de sale enfant! Non, je n'ai pas volé cet ensemble ici. Vous pouvez me poser par terre. Ok, on va vous poser, mais vous êtes vraiment pas futé. Josh, mais enfin, qu'est-ce que... Tu... Vous êtes folle? Là, c'est une alerte code rouge. Tu comprends ce que ça veut dire? Les hommes, ça fait partie de ces choses bizarres qui arrivent parfois dans la vie. Tout cela est vraiment très gênant. Oui, très. Oh, génial, voilà ma psy. Oh.